Star Academy, Léa révèle le nombre de kilos a pris depuis le début de l'aventure. Fake it until you make it, comprendre, fais semblant jusqu'à ce que ça marche. C'est le conseil qu'a donné Bilal Hassani aux élèves de la Star Academy, qu'il est venu voir pour une masterclass. Leur préconisant d'imiter la confiance jusqu'à ce qu'ils la trouvent. Conseil qui a fait écho en Léa. Qui, malgré son fort caractère, cache son manque de confiance en elle. Un manque de confiance sur lequel elle s'est confiée auprès de Slimane. Venue donner un cours aux élèves au château de Damary-les-Lys. Prenant Slimane à part après son cours, Léa lui a déclaré, « Tout à l'heure, tu m'as touché quand tu as dit qu'avant, tu te détestais. Et, depuis que je suis ici, il se passe tous les jours, matin, midi, goûter et soir, je me déteste » et d'ajouter, au bord des larmes, je fais tout le temps la rigolote. Je les aide et tout, mais c'est tellement dur la réponse du comparse de Vita, dans la vie. Tu es toujours tout seul. Apprends à être ta meilleure amie, plus facile à dire qu'à faire. Jeudi 10 novembre, Kanji Girac, qui chantera avec un élève lors du prime samedi 12 novembre. A rendu visite aux candidats de la Star Academy. Un moment que les téléspectateurs ont pu suivre dans le live sur Midfin Max. Léa en a profité pour se confier sur son mal-être qui la pousse à grignoter. J'ai dû prendre 9 kilos. Même la styliste l'a dit, a-t-elle confié. Il faut dire que les élèves ne font pas vraiment de repas diététiques au château. Et les cours de sport de coach Jo ne compensent pas leur régime alimentaire pas toujours équilibré. Comme on n'a pas notre famille, on manque d'émotions, de proches, de sincérité réelle. Tout ça, c'est génial, mais des fois, t'as besoin d'appeler ta maman, mais tu ne peux pas faire ça. Du coup, tu n'évacues pas, du coup, tu prends tout ce qu'il y a à manger. A expliqué Léa, qui s'était précédemment comparée à Beyoncé enceinte. Kanji Girac qui a souvent fait le yo-yo avec son poids. Lui a prodigué des conseils précieux. À elle de les suivre, si elle souhaite.